le sort de ces victimes. Je veux vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'intérêt que vous portez au fonctionnement de notre institution. Mesdames, Messieurs, notre République et notre démocratie a été légitimement bouleversée par les nouvelles victimes. Le sabre à la vie. Les sorts de ces victimes bafouent nos valeurs les plus essentielles. Le savoir à la vie, la tolérance, la liberté d'opinion, le droit à l'éducation et le respect de la dignité humaine. C'est ici, à la chambre criminelle, qu'il faut réaffirmer. Ceux qui commettent de tels actes doivent être combattus sans relâche, avec les armes de l'état de droit, la loi et la justice. Tout au long de ces derniers années, nous sommes parvenus à concilier dans notre pays ce qui pour certains ne l'est pas, c'est-à-dire un dispositif répressif apte à lutter contre une des plus importantes menaces civiles et le respect de la dignité humaine, le socle de l'état de droit. Bon, alors, il n'y a pas de le tribunal de fait à mes éthiques. Continuez que nous allons régler ce cas. Tu y as à Tidek. N'a pas de grec. L'ignoration. Amis colossal, veuillez se présenter à la barre. N'a pas de grec. N'a pas de grec. Madame la Présidente, Madame la Procureure, Madame la Guérifiée, vous avez vu ce que vous avez fait. Vous avez vu ce que vous avez fait. Vous avez vu ce que vous avez fait. Ana dañu faté xalé mëna jàng lu né
enfant. L'éducation est un droit essentiel qui permet à chacun de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. Le droit à l'éducation est vital pour le développement économique, social et culturel dans toutes les sociétés. Le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité. Le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Mais surtout, le droit d'aller à l'école. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci à mes collègues.